Bien-aimés, je dirais shalom et que la lumière soit à tous et à toutes qui se connectent. On a vraiment eu un grand retard plutôt. C'est parce qu'on avait on a un souci, bien-aimés, de la luminosité. C'est ce qui fait que nous démarrons tard. Et je salue tout le monde qui rentre. Kujo, que la lumière soit avec toi aussi. Et je bénis aussi Serge. Oh, Serge Koulapa, mon frère, mon ami. Je suis très content de voir Serge Koulapa aussi avec nous aujourd'hui. Et l'Afrique du Sud est là. Je pense que tu es toujours en Afrique du Sud. Que Dieu bénisse. Je bénis Justice. Et tout cela, tous ceux qui rentrent, que la lumière soit avec nous tous. Que Dieu bénisse tout le monde qui venait à cette émission. Voilà. Je dis merci à tout le monde aussi qui m'avait souhaité une très bonne guérison et par rapport à une attaque de santé que j'ai connue hier. Mais la bonne nouvelle que le Seigneur est avec nous et nous sommes là, nous continuons à respirer grâce à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je suis trop amoureux de Jésus. Pour tout ce qu'il fait, Jennifer, Tingy, que la lumière soit avec toi. Je bénis tout le monde qui venait. Bien aimé, quand tu rentres, essaye de donner une offrande. Je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas la bonne luminosité. En tout cas, veuillez vraiment souffrir avec moi comme ça. Solange Pelé, ma fille, j'ai eu ton message. J'étais très content et de ton inquiétude pour moi. Que Dieu te bénisse, Solange. Et partagez cette émission. Partagez. Partagez, je nous attends tous. Et tout cela, ouais, Justice, que Dieu te bénisse, que la lumière soit avec toi aussi. Et je suis très content, tu partages tes missions, tu partages. Bien-aimé, je veux voir tout le monde arriver, un grand nombre de gens être avec nous. Cependant, pour gagner du temps, parce qu'on vient de commencer tard à cause de la luminosité, on ne trouve pas la bonne position, le bon positionnement pour la lumière. On est beaucoup dérangé par rapport à la lumière. Oh Solange, Elena, j'ai vu que tu m'avais appelé. J'étais content de voir quand même tu m'avais appelé. Que le Seigneur te bénisse, Solange. Et tout cela, que la lumière soit avec tout le monde. Et je mets la chanson « Viens nous sauver ». C'est pendant qu'on se prépare pour manger la bonne nourriture. Domingos, que la lumière soit aussi avec toi. Viens nous sauver de l'album « Le Retour ». Suivez, bien-aimés, et partagez avant qu'on écoute notre...
à partager cette émission. Seigneur, tout le monde, oh Seigneur, il agit, il gardera, oh mon sauveur. Je suis très content, soulagé. Je voudrais savoir combien mon cœur est joyeux et heureux de te voir quand tu es manifesté. Je suis très content. Alléluia. Donc, bien-aimés, je salue tout le monde après avoir écouté cette bonne mélodie de la chanson « Viens nous sauver » de l'album « Le retour » de Papi Nkoumou. Et je suis encore heureux, très content de vous savoir si nombreux avec nous aujourd'hui. Nous commençons un bon sujet, bien-aimés. Les bons sujets, d'abord je dis merci à tout le monde qui a compati avec moi en m'appelant « Pasteur, bonne guérison ». Et puisque j'étais un peu attaqué sanitairement hier, je n'ai pas pu même tenir l'émission. Du moment même, je pensais partir à l'église. Vous savez, j'avais tellement vomi, et je salis même mes baskets, le vêtement et tout cela. Mais bon, Dieu est bon, l'essentiel, je respire, je vis et je suis là. Cela ne nous empêche pas, tant que je pourrais bien parler et me tenir et m'asseoir, je ne cesserai pas de parler de la part du Seigneur. Et je suis là avec vous, bien-aimés, pour commencer un bon enseignement ensemble qui a pour thème « Pour être heureux ». Pour être heureux. Pour être heureux, notre thème. Bien-aimés, je pense que nous tous, nous vivons pour avoir une vie heureuse. Même ceux qui se marient, beaucoup d'autres personnes se marient, bien-aimés, pour chercher toujours, bien-aimés, nous sommes à la recherche du bonheur. Le bonheur, c'est le fait d'être heureux. Et se sentir bien, bien-aimé. Et trouver que chaque jour que l'Éternel te donne est tellement merveilleux, bien-aimé. Alors, pour être heureux, comment il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vivre et pour être heureux? Bien-aimé, certains m'ont dit que sous le soleil, personne ne sera heureux. D'autres m'ont dit que nous ne serons jamais rassasiés sous le soleil. Je les ai regardés, je dis que vous n'avez pas tort. Mais nous pouvons faire mieux que ce que nous sommes quand même. Mieux que ce que nous lamentons tout le temps. Nous pouvons faire mieux. Mais bien aimé, or la Bible, telle qu'elle est écrite, Dieu nous avait créés, bien aimé, pour que nous vivions bien, pour que nous puissions jouir même de la vie, de notre existence sur la terre. Et certains me diront que, il ne faut pas penser à la terre, il faut penser toujours là où tu vas, au ciel. Et j'ai regardé certaines d'autres personnes en les disant, mais pourquoi allez-vous chercher le travail? Mais il ne faut plus penser à la terre, il ne faut plus travailler, il ne faut même plus chercher un travail, ni avoir des diplômes, ni aller à l'école, pour simplement attendre le ciel. Et d'autres m'ont dit, mais non, et pourquoi tu me dis ça? Comment on va vivre? Je le vois là. Nous faisons tout parce que nous voulons être bien. Être bien parce que nous voulons être heureux. Nous voulons avoir une vie paisible, une vie de tranquillité. Une vie, bien-aimée, loin de lamentation, loin des inquiétudes, loin des soucis, bien-aimée. Mais comment le faire, bien-aimée? J'ai entendu dans plusieurs prédications, je vis d'autres pasteurs prêcher. Je ne sais pas si certains prêchent parce qu'ils ont raté beaucoup de choses dans la vie ou peut-être ils n'ont pas eu ce que les autres en ont eu. Ah, toutefois, les choses que nous voyons sur la terre, toutes ces choses vont passer. Et celui qui cherche ses mains à aller au ciel. Je dis, vous n'avez pas tort. Vous avez raison, mais la meilleure des choses, arrêtez de vous soucier des choses de la terre, ni de penser comment vous allez payer vos loyers. Allez-y dormir dans la forêt et allez-y dormir dehors. Attendez simplement l'enlèvement ou le fait, les jugements derniers pour aller au ciel. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu nous dis cela? Je dis simplement, je pense que dans votre inconscience, comme certains qui me suivent ici,
Chacun dans son inconscience, des fois, il ne sait pas et qu'il a toujours été à la recherche d'un état, d'une personne heureuse. Tu cherches à être heureux, mais tu ne sais pas pourquoi, bien-aimé. Nous allons à l'école, nous envoyons nos enfants à l'école, bien-aimé. Nous veillons sur l'éducation de nos enfants. Nous allons aux églises, bien-aimé, et nous fréquentons, et nous allons voir des médecins lorsque nous ne nous sentons pas bien, parce que nous voulons être bien portants. Nous voulons être bien portants, même moralement, même tout, bien-aimé. J'en ai rencontré des personnes, bien-aimé, et qui sont entourées avec beaucoup de choses. Mais à la fin, ces gens disent que nous ne sommes pas heureux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, bien-aimé, nous avons des questions. Aujourd'hui, nous sommes qu'à l'introduction. Laisse-moi, bien-aimé, toucher à tout, mais dans l'ordre, bien-aimé, un désordre désorganisé, et qui va nous aider un peu à commencer à ouvrir nos pensées. En lisant dans ma Bible, bien-aimé, pour être heureux, j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup lu la Bible, j'ai lu la Genèse, j'ai lu jusqu'à en Apocalypse. Depuis que j'ai commencé à prier, ça date de longtemps. Bintou, que la lumière soit avec toi. Shalom à toi, Bintou. Que Dieu te bénisse. Et je pense que dans chaque famille, tu verras que le papa fait tout. Il travaille du matin au soir. Il dit, quand tu dis que non, je travaille comme ça parce que je prépare l'avenir de mes enfants. Je fais tout parce que je veux voir mes enfants être bien. Et tu verras une femme qui ne veut pas quitter son foyer malgré tout ce que son mari lui fait. La femme dit que non, je reste là pour les enfants. Pourquoi la femme fait? Parce qu'elle veut voir ses enfants être heureux. Bien-aimé, la recherche du bonheur, les sentiments de joie et d'être heureux, c'est un désir, bien-aimé, que tout le monde, bien-aimé, cherche et tout le monde aimerait avoir. Même ceux-là qui font semblant aux yeux des autres, oh, nous, on attend simplement les jugements, toute chose sur la terre va passer. Mais non, bien-aimé, ces gens-là, peut-être dans leur ignorance, ils ne savent pas dans leur subconscient, ils sont tous à la recherche aussi quoi, de l'état d'une personne heureuse. Nous voulons tous être heureux. Alors, comment l'être? La première chose, je nous dirai dans cette introduction, bien-aimé, pour mieux être heureux d'abord, il faut commencer d'abord à vaincre la peur. Première chose, bien-aimé, suivez-moi dans notre, bien-aimé, et introduction de cet enseignement. Je dis que la première chose pour être heureux, nous devons commencer d'abord à vaincre la peur. Quand tu ne vaincs pas la peur qui est en toi, bien-aimé, crois-moi, tu ne vivras jamais, jamais dans la paix et tu ne seras jamais heureux. Parce que la paix enlève à nous une stabilité. Le manque de paix, bien-aimé, enlève à nous un équilibre. Le manque de paix dans nos cœurs, bien-aimé, ça crée une instabilité, comme je dis. Tout ça, c'est la peur. La peur. La peur de ne pas être accepté. La peur de ne pas avoir ce que je souhaite. La peur de ne pas devenir ce que je pense. La peur de ne pas rester toujours en vie. La peur que cet homme arrive. La peur que cet homme ne soit pas fidèle à moi. Que cet homme me trompe. La peur que cette femme ne soit pas fidèle à moi. Toutes ces peurs nous empêchent à être quoi? Heureux. Alors, la première chose à faire de la vie, il faut chercher d'abord à vaincre quoi? La peur. J'ai bien dit, il faut chercher à vaincre la peur. Souffrez avec moi parce que je n'ai pas une bonne voix, vu que ma santé est un peu dérangée. Et je me force parce qu'il faut que je parle pour que le peuple de Dieu soit béni. Et que Dieu m'aide à arriver jusqu'au bout, malgré les pressions de l'état de la santé. Mais je sais que Dieu est avec nous et tout va bien. Tout va bien au nom de Jésus. Écoutez, la Bible dit, en lisant la Bible, bien-aimé, j'ai compris que Dieu a établi pas mal de principes dans le but simplement qu'il voulait nous voir vivre bien sur la terre. Et Dieu a mis des principes. Et tous ces principes, nous verrons même dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, Dieu nous montre que non, si nous voulons bien vivre sur la terre, bien-aimé, être heureux, être bien, bien-aimé, voir tout ce que nous faisons prospérer, Dieu nous montre simplement une seule voie, bien-aimé, de demeurer à l'obéissance et en observant toutes ses paroles. Doudou, que la lumière soit avec toi. Merci pour le message de la guérison que tu m'avais transmise. Et que tu m'avais transmis. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse. Alors, écoutez, bien-aimé. Dieu a placé dans la Bible beaucoup de choses parce que Dieu veut nous voir être heureux. Depuis l'ancienne alliance, lorsque Dieu a créé l'homme, il a tout fait dans le but simplement pour que nous vivions très bien sur la terre. Dieu, en nous mettant sur la terre,
il nous avait pas mis pour un petit délai en nous mettant simplement pour nous dire que non, hey, et c'est pour un petit temps, alors ne pensez pas, allez, vous allez partir au ciel, c'est là où vous serez bien. Non. Dieu, dès sur la terre, Dieu veut que nous soyons très heureux. Alors, qu'est-ce qui vole notre paix? Qu'est-ce qui vole notre joie? Qu'est-ce qui nous empêche à être heureux? Bien-aimé, la peur de beaucoup de choses. Et la peur, bien-aimé, nous pousse à marcher avec une attitude non contrôlée et en faisant des choses, bien-aimé, et qui nous détruisent parce que je peux. Certains se sont engagés dans certains mariages, bien-aimé, parce qu'ils avaient peur que son âge passé, et si je ne me marie pas, et peut-être je ne pourrai plus me marier. D'autres se sont mis dans les mariages et pensant qu'ils ont bien fait les choses, mais pourtant ils sont partis simplement pour souffrir. Ils ont détruit le projet de bonheur que Dieu avait pour eux parce qu'ils se sont précipités à cause de la peur. Sachez que j'ai dit bien aimé une chose. La première chose dans cette introduction, bien que je ne vais pas approfondir aujourd'hui, on va commencer à approfondir dès demain. La première chose à faire, j'ai dit, commençons d'abord avec la peur. Qu'est-ce qui te fait peur? N'as-tu pas peur de ta vie? N'as-tu pas peur de ton avenir? Qu'est-ce qui te fait peur? Alors, un pasteur qui vit avec, peut-être avec des collaborateurs, peut-être tu n'es pas heureux, c'est simplement parce que tu as peur peut-être de tes collaborateurs. Alors, je crains, c'est parce que je connais. Beaucoup de gens bien-aimés ne peuvent plus être heureux parce qu'ils vivent par rapport aux antécédents de leur vie passée. Parce qu'à mon passé, on m'a fait ceci. À mon passé, j'ai rencontré de telles choses, de telles personnes m'ont fait ceci. Des gens à qui j'avais donné confiance m'ont trahi. L'homme à qui j'avais tout refusé mon amour, cet homme m'a trahi, m'a abandonné, m'a trompé. Et il y a des personnes qui vivent toujours avec la peur. C'est ce que tu verras que cette personne rencontre une nouvelle relation aujourd'hui. Cette personne ne pourrait pas émettre ou donner de bonnes choses parce que cette personne a peur. Il dit, maintenant je vis en prudence. Ce que les autres appellent prudence, ce n'est plus la prudence, mais c'est plutôt la peur. Et la peur, là, bien aimé, ça empêche beaucoup de gens à vivre le meilleur. Écoutez, je vais encore dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as été peut-être trahi, tu as connu beaucoup de choses, tu as échoué à beaucoup de choses dans la vie, et tu as été insigé peut-être des ridicules dans la vie. Mais crois-moi, l'Éternel pense quelque chose encore pour toi, pour que tu sois heureux. Commence d'abord à lutter contre la peur. À l'introduction, je m'installe toujours avec le mot peur. Commence à lutter avec la peur. Qu'est-ce qui te fait peur, mon bien-aimé? Qu'est-ce qui te fait quoi? Peur. C'est ça la question. Waouh. Qu'est-ce qui te fait peur? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui te fait peur? S'il y a quelque chose qui te fait peur, alors c'est le moment, bien-aimé, de pouvoir comprendre aujourd'hui. Si tu continues à vivre dans la peur, dans l'anxiété, dans l'angoisse, tu ne connaîtras pas une vie heureuse en toi. Alors, comment être heureux? Il faut commencer avec la peur. Lisons quelque chose, après j'avance. Nous sommes des livres de Deutéronome chapitre 30. J'aimerais lire avec nous le verset 9. Deutéronome 30, le verset 9. Je regarde l'air parce que on a commencé tard. Deutéronome 30, le verset 9, la Bible dit ceci. L'Éternel ton Dieu, te comblera des biens en faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains, la Bible dit. En faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton bétail et les fruits de ton sol. Écoutez-moi. Car, notre problème c'est cette partie. Il dit, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs, quoi? À ton bonheur. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Anne Caballo, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse. L'information que j'apporte pour certains dans cet auditoire et pour chacun, que l'Éternel te promet qu'il prendra encore plaisir à ton bonheur. Pourquoi il dit encore? S'il dit encore, c'est qu'il y a eu autrefois que l'Éternel prenait plaisir dans ta vie ou dans la vie de ceux qui t'ont précédé.
Et à un moment, il a été peut-être déçu ou il n'a pas pu aimer encore, il n'a pas pu aimer peut-être les comportements et qui se sont succédés juste après. La joie qui animait son cœur par rapport à tout ce qu'il voyait. Bien-aimé, tu as perdu beaucoup de choses. Tu as échoué à certaines choses, mais je suis venu ici comme un prophète pour te dire, l'Éternel veut te dire, et il m'a envoyé te dire, aujourd'hui qu'il prendra encore plaisir quoi à ton bonheur. Dieu prendra encore plaisir à ton bonheur. Pour être heureux, il te dit simplement, enlève la peur. Arrête d'avoir peur. Ne te pose pas trop de questions sur ce qui serait ta vie demain. Ne te pose pas trop de questions sur comment tu vivras. Ne te pose pas de questions. Et ne cherche même pas à faire de fausses spiritualités et de fausses vies de sanctification en fouillant la réalité de ta vie sur la terre, parce que nous sommes tous venus sur la terre pour accomplir quelque chose. Ne dis jamais quand tu as peur et tu as peur de ne pas vivre heureux sur la terre et te focaliser par cette parole en disant que toutefois la Bible dit de ne plus se confier sur la terre, de voir simplement le ciel. Est-ce que c'est ça la sanctification ou c'est la peur d'échouer de la vie qui te pousse à dire cela? J'ai examiné beaucoup de prédicateurs. J'ai étudié beaucoup d'enfants de Dieu. J'ai vu certains d'autres enfants de Dieu dire des choses par rapport à la peur. Et c'est cette peur de ne pas reçu, cette peur de ne pas avoir ce que les autres ont reçu et le doute qui demeure dans son cœur, de ne pas avoir parce que la peur apporte le doute. Et ces gens commencent à dire que non, nous n'avons pas à fixer nos regards sur les choses terrestres, nous avons à fixer nos regards sur les choses célestes. Crois-tu, bien-aimé, si tu n'as pas su comment vivre heureux, est-ce que la porte du ciel sera ouverte avec pour toi? Tu dois savoir que, bien-aimé, toute vie qui craint Dieu, c'est une vie qui sait être calme dans son cœur. C'est une vie qui sait vivre dans la paix. C'est une vie qui sait vivre sans peur. Et celui qui vit dans la peur, on ne suit pas Dieu par rapport à la peur, mais on doit suivre Dieu parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons. Et parce qu'il nous aime et que nous, en retour, nous devons aussi l'aimer. Alléluia. Alléluia. Pour être heureux, bien-aimé. Pour être heureux, je m'installe aujourd'hui toujours sous la peur. Et Dieu dit qu'il prendra encore de nouveau plaisir à ton bonheur. Mais en commençant ce verset 9 du livre de Deutéronome, bien-aimé, je pense que nous avons dû tous entendre que Dieu dit quoi? L'Éternel, ton Dieu, te comblera. Pourquoi? Le but de Dieu est de nous combler ici sur la terre. Parce que Dieu nous a façonnés, nous a créés pour que nous vivions bien sur la terre. Alors, je voulais m'arrêter simplement sur la paix, mais je vais nous rajouter une autre chose. Deuxième chose pour être heureux, bien-aimé, évite une vie de précipitation. Deuxième chose, à part la peur, arrête de mener une vie de précipitation. Ne cherche pas, ne te précipite pas aux choses. Fais toutes choses, bien-aimé, avec raison et aussi avec la notion du temps. Celui qui fait les choses avec l'allure que Dieu lui donne et avec le temps et qui ne marche pas avec précipitation, c'est celui-là, bien-aimé, qui vit aussi très bien ici sur la terre. Mais ce qu'il faut noter, bien-aimé, il y a toute une grande différence entre être content et être quoi? Heureux. Quelqu'un entend ce que je dis? Mon but dans cet enseignement que nous allons avoir tout au long de cette semaine et que j'ai commencé aujourd'hui comme l'introduction, voilà pourquoi j'évite de beaucoup avancer, parce que nous aurons beaucoup de choses à parler, bien-aimé, est celui d'amener les gens à être heureux et non à être contents. Parce que tout ce qui nous rend contents ou nous donne ce sentiment de joie, de content, être content, pas nécessairement nous rend heureux, bien-aimé. Je peux être content de quelque chose, mais sans être heureux. Je peux être content de ce que je veux, mais je ne serai pas heureux. Combien de personnes sont contentes de beaucoup de choses, bien-aimé? J'étais content quand je rencontrais cet homme dans ma vie. C'est comme certaines femmes que je rencontre dans mon exercice pastoral. Pasteur, cet homme a beaucoup changé. Il n'est plus comme on s'était vu pour la première fois. Et quand je l'ai rencontré, cet homme,
Mais on ne dirait pas que c'est lui qui me fait ça. Je m'étonne comment il me fait ça. Il n'était pas comme ça. Il a complètement changé. J'étais content de le rencontrer, mais en réalité, je ne suis pas heureux dans ce que j'ai fait. J'étais content, bien-aimé, de m'associer avec une telle personne à quelque chose. Mais je me suis rendu compte après que je ne suis pas heureux et je me demande pourquoi je m'étais associé avec lui. Parlons au pasteur. Je vois un serviteur de Dieu encore entré ici, mon petit frère José Bomboko. Et actuellement, bien-aimé, beaucoup de pasteurs, comme les pasteurs d'aujourd'hui, vivent avec la pensée pour que tu sois considéré comme un bon pasteur, il faut avoir beaucoup de monde à l'église. Alors, il voit un homme, il sait que cet homme-là, il est connu avec beaucoup de gens, il a beaucoup de membres de famille. Il l'amène à l'église, il lui donne un poste à l'église où il associe, il dit que toi, comme tu es aussi pasteur, on travaille ensemble. Il est content que ce type amène les gens. Mais qui te dit tout ce qui nous donne le temps de la joie et qui nous pousse à être contents, nécessairement nous rendra heureux, bien-aimés dans la vie. C'est ainsi que beaucoup de gens qui ont été contents hier, aujourd'hui sont malheureux. J'aimerais dire à quelqu'un, comme je dis dans certaines de mes émissions aussi, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui pour être content, j'aimerais que tu choisisses quel genre de souffrance que tu aimerais connaître dans ta vie et pour être heureux demain. Quel genre de souffrance? Bien-aimé, quel genre de souffrance choisiras-tu aujourd'hui? Veux-tu, bien-aimé, être content et pour souffrir tout le temps? Ou veux-tu souffrir aujourd'hui pour être heureux? Bien-aimé, il y a des souffrances, bien-aimé, qui enfantent un état de joie, un état du bonheur. Il y a des souffrances, bien-aimé, qui nous conduisent dans le bonheur, mais il y a des souffrances, bien-aimé, qui nous conduisent dans le malheur. Quel genre de souffrance veux-tu choisir? Me priver de certaines choses qui me rendent content et pour devenir heureux. Bien-aimé, je peux être content aujourd'hui de prendre quelque chose ou de voler l'autre, mais demain je serai malheureux. Je peux être content aujourd'hui, bien-aimé, de faire un coup d'état à l'église de quelqu'un, mais demain je risquerai d'être malheureux. Mais moi, je veux bien, bien-aimé, que nous soyons heureux. Je dis, pour être heureux, dans notre production, la première chose, supprimer la peur, et deuxième chose, éviter une vie de précipitation. Pourquoi es-tu pressé dans la vie? Pourquoi es-tu pressé? Bien-aimé, un accident est plus grave pour une personne qui conduit avec une forte vitesse parce qu'il est pressé. Bien-aimé, apprenez de la vie de ne pas courir en précipitation. Fais des choses avec le temps. Même Dieu a dit dans la parole, chaque chose, quoi, en son temps. Tout ce qui vient en vitesse, je me méfie à cela. Tout à l'heure, je parlais avec mes enfants pasteurs par rapport à leurs églises qui dirigent. Je dis, écoutez, méfiez-vous de voir une église qui croise en vitesse. Tout ce qui se propulse en vitesse, cela cache quelque chose. Bien souvent, quand une église se brise, avant que cela se brise des fois, on voit des fois une croissance qui arrive. Et cette croissance, après, lorsqu'il y aura une frappe, bien-aimé, je dis, si vous étiez avant 30 et vous avez vu la croissance de 70 personnes, encore c'est rajouté, vous devenez 100. Et quand la chute va se faire, bien-aimé, vous allez retomber même à 10 personnes ou à 5 personnes. Ça va prendre même les vingtaines de personnes que vous aviez avant. Je dis à mes fils, faites toutes choses en son temps. Ne vous précipitez pas dans la vie. Pour être heureux, ce n'est pas le fait de se précipiter. Ils se sont beaucoup précipités dans la vie et aujourd'hui, ils regrettent pourquoi ils se sont précipités. Ils ont voulu devenir riches, bien-aimé, ils sont partis toucher des choses qu'ils ne pouvaient pas toucher. Ils s'étaient précipités à être des grands pasteurs. Aujourd'hui, bien-aimé, ils sont à l'occultisme et ils commencent à tenir la magie. Et bien-aimé, aujourd'hui, ces gens regrettent, ils ne dorment pas, ils ne sont plus à l'aise et leur vie n'est plus une vie comme la tienne aujourd'hui. Beaucoup de gens que nous voyons à la vie, bien-aimé, ils sont contents d'avoir de belles voitures et tu es content de les voir aussi comme ça. Mais pose-toi la question, est-ce que ces gens sont heureux après? Bien-aimé, on peut être content, mais sans être heureux. Mais pour être heureux, commence d'abord avec la peur. C'est la peur qui nous pousse des fois à se précipiter à beaucoup de choses. C'est la peur qui nous pousse des fois, bien-aimé, à prendre certaines décisions qu'on ne pouvait pas prendre. La peur nous pousse des fois, bien-aimé, à abandonner certaines choses. Pourtant, on pouvait mieux faire, bien-aimé. Bien-aimé, tu as abandonné d'autres choses, pensant que tu ne pourras pas.
Qui te dit que toi, tu ne pourras pas? Et qu'est-ce qui te dit que ceux qui réussissent dans ce monde sont plus meilleurs que toi et sont des personnes extraordinaires? Tu dois savoir que, bien-aimé, ce sont des hommes ordinaires qui finissent à faire des choses extraordinaires. Tous qui sont meilleurs aujourd'hui et qui sont heureux aujourd'hui ne sont que des hommes comme toi. Ils ont des jambes, des bras et des pieds. J'aime bien lire le verset de Psaume chapitre 23. On y va ensemble, bien-aimé. Psaume chapitre 23. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je me retiens parce que je ne vais pas mélanger beaucoup de choses aujourd'hui, puisque comme c'est l'introduction. Allons-y dans les deux psaumes, bien-aimés. Chapitre 23, vous connaissez ça. Vous connaissez tout ça. Que le Seigneur nous bénisse. J'ouvre ma Bible et quelqu'un nous note ce verset. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23, bien-aimé, si nous commençons à partir du verset 1, la Bible dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Écoutez. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai quoi? De rien. Écoute ceci. Dans la troisième chose que je nous amène, bien-aimé, cette introduction, je vais déjà citer, ce n'est pas grave. Je voulais m'arrêter simplement à un élément, mais je trouve qu'il faut que j'avance aussi. Dans la troisième chose qu'il faut retenir, pour être heureux, il faut faire d'abord de Dieu comme ton berger. Dieu doit être ton guide. En tout ce que tu fais dans la vie, il faut mettre d'abord Dieu en première quoi? En première position. Du moment où Dieu prend la première position de la vie, tu dois savoir que toi, si lui il est ton berger, toi tu ne manqueras quoi? De rien. Le fait de manquer beaucoup de choses, bien aimé, vous devez le savoir, c'est ce qui crée à nous cette attitude quoi? D'un état, bien aimé, d'une personne qui est malheureuse. Mais pourtant, quand tu es comblé de tout ce que tu désires, bien aimé, tu te sens heureux et tu te sens bien et tu as même la joie de vivre. Bien aimé, bien souvent, les personnes qui réclament la mort, si vous vérifiez bien, ce sont les personnes qui souffrent de quelque chose ou qui manquent quelque chose ou qui ont perdu quelque chose. Mais ceux qui ont gagné quelque chose et qui ont quelque chose et ceux qui possèdent quelque chose et ceux qui ont ce qu'ils désirent n'ont jamais désiré la mort. Même les personnes qui disent toujours « Ah, on veut qu'il y ait la fin du monde », c'est bien souvent les personnes bien-aimées qui manquent beaucoup de choses. Ceux qui n'ont rien et ceux qui ont perdu et ceux qui ne reçoivent rien, et ceux qui ont même la peur de vivre, la peur de réussir de la vie, la peur d'échouer, ce sont des gens qui veulent bien que les choses finissent vite. Regardez bien, bien-aimé, quand nous suivons un match de foot plutôt, quand on est un supporter d'un club ou bien d'une équipe quelconque, bien-aimé, ou à la télé, tu regardes un match de foot, et si vous menez, tu as tendance de désirer que les matchs finissent, parce que tu auras peur que si ça continue, vous pouvez aussi encaisser. Pourquoi? Ce sont des gens qui ont peur, qui désirent la fin d'une chose. Mais ceux qui n'ont pas peur aiment que les choses continuent. Retiens ces mots. Je répète pour toi. Je dis, ce sont les gens qui ont toujours peur, qui désirent la fin d'une chose. Mais ceux qui sont heureux désirent la continuité de la chose. Personne ne comprend cela. C'est par là que, bien aimé, regarde bien. Dans beaucoup de choses que tu as désiré que la chose finisse rapidement, parce que tu as peur. Tu as peur que si ça continue, tu risquerais de perdre ta paix. Tu risquerais de perdre ton bonheur. C'est parce que tu as peur. Alors, quand tu vis dans la peur, c'est que tu n'es jamais heureux. Parce qu'on ne peut jamais être heureux tout en vivant dans la peur. J'ai dit, ceux qui veulent la fin d'une chose souvent, ce sont des gens qui ne sont pas heureux. Expliquez qu'on pense ce que j'ai dit. Ceux qui ne sont pas heureux désirent la fin d'une chose, mais ceux qui sont heureux aiment la continuité d'une chose. Dans un couple bien-aimé, ce sont les personnes qui ne sont pas heureuses qui désirent la fin du couple. Mais la personne qui est heureuse ne voudra jamais que le couple s'arrête. Quelqu'un entend. Dans toute chose que nous faisons dans la vie, celui qui est content et heureux de cela, celui-là ne voudra pas que cela s'achève. Mais celui qui n'est pas content ou heureux de cela, c'est celui qui désire la fin des choses.
Veux-tu la fin du monde? J'attends aujourd'hui les gens disent ah, que mon kilangé souk kaka. Bien souvent, bien aimé, les discours que des gens qui disent que mon kilé souk kaka, si tu entends, ce sont des gens qui ne vivent pas bien. Ce sont des gens qui sont malheureux. Ce sont des gens qui ne réussissent pas dans la vie. Ce sont des gens qui sont devenus, bien aimé, quoi? Comme la proie de tout le monde et qui sont devenus, bien aimé, le malheureux de tout le monde. Ceux qui sont malheureux désirent la fin. Regarde aujourd'hui, bien aimé. Allons-y au Congo. Descendons maintenant à la situation politique du Congo. Ceux qui sont au pouvoir et qui sont heureux et qui vivent bien, est-ce qu'ils désirent la fin du mandat? Mais non. Mais ce sont ceux-là qui ne sont pas heureux, qui veulent quoi? Que le mandat finisse. Voilà pourquoi il faut comprendre. Être heureux, bien aimé, cela nous permet, bien aimé, à désirer vivre encore longtemps. Bien aimé, la joie de vivre demeure dans le cœur d'une personne qui est heureuse. Mais le désir de mourir et de quitter ce monde est simplement dans le cœur de celui qui n'est jamais heureux. Je prie pour chacun. Mami Waza, que Dieu te bénisse d'être là. Fifi aussi, que Dieu te bénisse. Le désir de quitter ou de finir quelque chose ne demeure que dans le cœur de celui qui n'est plus heureuse et heureux et qui n'a même plus le sentiment de vivre. Comment? Pour être heureux. Mais notre thème est pour être heureux. Pour être heureux, je dis la première chose, supprimer la peur. Deuxième chose, éviter une vie de précipitation. Troisième chose, désirer mettre en toute chose que l'Éternel, notre Dieu, soit ton berger, ton guide en tout ce que tu fais. Ne cherche pas à faire des choses par rapport à toi. Ne décide pas sans consulter Dieu. Beaucoup de choses, on est malheureux à beaucoup de choses parce que nous avons pris des décisions sans Dieu. On n'a pas voulu écouter ce que Dieu dit. Nous avons désiré faire ce que nous voulons. Bien-aimé, tu n'es subi que ce que toi tu as voulu toi-même faire. Tu as été laissé emporter par tes sentiments et par tes émotions. Tu fais des choses par rapport aux choses qui te plaisent et non par rapport aux choses que tu dois faire. Bien-aimé, il y a des choses qu'on doit faire et il y a des choses que nous faisons parce que cela nous plaise. Dans la vie, ne fais pas les choses qui te plaisent, mais fais plutôt les choses que tu dois faire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Non, personne ne me comprend. J'aimerais que tu me comprennes pendant que je parle là, bien-aimé. Tu sais, une des raisons que toi tu n'es jamais heureux, parce que tu as toujours fait les choses qui te plaisent, parce qu'en faisant des choses qui nous plaisent, bien-aimé, on ne sera jamais heureux, mais on sera content. Parce que nous avons fait ce que nous voulons faire. Mais si nous faisons ce qu'on doit faire, et ce que nous sommes appelés à faire, bien-aimé, si aujourd'hui nous souffrons, crois-moi, demain nous serons heureux. Voilà pourquoi je dis, quel type de souffrance aimerais-tu avoir aujourd'hui pour définir ton futur, pour définir ton bonheur? Quel type de souffrance? Bien-aimé, je préfère arrêter avec certaines choses pour définir ma joie. Quel type de souffrance aimerais-tu définir dans ta vie aujourd'hui? Bien-aimé, il y a des choses qu'on n'arrive pas à nous en débarrasser, mais ces choses nous empêchent à être heureux. Parce que tu dis, si je m'en débarrasse, je ne me sentirai pas bien. Mais c'est une souffrance que tu choisis pour que demain tu sois heureux. Quel type de souffrance aimerais-tu choisir aujourd'hui pour que demain tu sois heureux? Bien-aimé, je ne veux pas souffrir. Je vais rester avec cette fille, je vais rester avec cet ami. Ce que j'ai choisi complètement dans ma vie, c'est que je vais. Tu dois savoir que tout ce que tu fais est une décision que tu prends. Personne ne comprend, je répète. Tu dois savoir tout ce que tu fais est une décision que tu prends dans ta vie. Et quel genre de décision que tu prends? Ah ah, quelqu'un m'a dit, j'aime pas souffrir. Tu n'aimes pas souffrir et tu ne seras jamais heureux. Quelqu'un attend? La mère de Jésus était malheureuse ce jour-là quand Jésus souffrait sur la croix. Il n'a pas supporté la souffrance là. Or, c'est un type de souffrance qui nous rendra heureux sur la terre. La mort de Jésus était une souffrance pour sa mère et pour ceux qui ont vécu à ses côtés. Mais pourtant, était notre bonheur. Et Jésus avait dit dans la parole, bien-aimé, dit quoi? Si les grains ne meurent pas, et il ne produira pas. Et qui était ce grain? C'était lui qui devait être une semence pour que cela produise aujourd'hui. Nous ne sommes que les conséquences de la mort de Jésus. Mais il devait que mourir pour que nous naissions. Et est-ce que vous comprenez cela? Quel type de souffrance choisiras-tu aujourd'hui pour définir quoi? Ta vie. Hey, tu veux être heureux? Ce sont des décisions à prendre, bien-aimé. Alors, quel genre de décision veux-tu prendre? Bien-aimé. Non, tu vois, c'est quelqu'un qu'on a grandi ensemble. Si, pasteur, je n'arriverai pas
les quitter parce que c'est lui qui m'a déviergé. J'entends cela de beaucoup de filles. Mais je lui demande, est-ce qu'il t'a épousé? Non, parce qu'il ne m'a pas épousé, mais il me promet. Mais il ne m'aime pas beaucoup. En plus, toutes les promesses qu'il m'a faites depuis, ça fait maintenant 15 ans, on est ensemble. Il ne s'est même pas présenté chez nous. Il me fait passer du temps, mais quitte-lui. Mais non, parce que je n'y arriverai pas. Quel type de souffrance tu es? Je préfère quitter cet homme et souffrir de ne plus le voir, mais pour que demain je sois heureux, ma soeur. Mais si tu veux souffrir avec lui, alors c'est le choix que tu as fait. Alors assume ce choix, bien-aimé. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux. Dieu t'a créé pour que tu sois heureux. Il plaça Adam et Ève dans les jardins d'Éden, bien-aimé. En Éden, bien-aimé, il les plaça pour qu'il ait le pouvoir. Il a dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez, remplissez la terre. Il leur donna quatre pouvoirs. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que l'homme soit un dominateur. Et il créa les cieux et la terre. Il dit dans sa parole, les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre, il a donné au Fils de l'homme. Pourquoi il nous donna la terre? Parce qu'il voulait, bien aimé, Dieu voulait et que nous soyons heureux ici sur la terre. Il nous a donné le pouvoir de dominer, de régner, bien aimé, de contrôler les choses, d'assujettir toutes choses. Parce que Dieu voulait te voir heureux. Mais on a désobéi. Et Dieu a fait de son mien venir nous sauver. Il est venu par Christ pour restaurer, bien-aimé, ce qui a été aboli depuis les jours que la femme avait donné son oreille en écoutant qui est le diable. Alors, il a restauré. Christ n'est pas venu simplement pour le ciel. Et Christ est venu pour te rendre heureux ici-bas et jusqu'au ciel, bien-aimé. N'attends pas le bonheur plus loin. Bien-aimé, quatrième élément. Oh, quelqu'un me dit, ah, mais pasteur, tu donnes tout aujourd'hui. Oui, laisse-moi le faire. Parce que ma vie, c'est maintenant. Laisse-moi te dire, ma vie, c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est pour Dieu. Nous allons faire avec demain. Et quatrième élément, bien-aimé. Si tu veux être heureux, arrêtez de projeter ton bonheur dans le futur. Qu'est-ce qu'on pensait là? Je vais m'arrêter avec les quatrièmes éléments parce que sinon je vais tout citer. Aujourd'hui, j'ai désir de faire comprendre quelqu'un et d'aider quelqu'un, ce qui me pousse à libérer d'autres choses ici. Mais je vais me retenir tout à l'heure. Écoute-moi, bien-aimé. Le quatrième élément que je vous donne aujourd'hui, si tu veux être heureux dans ta vie, arrête de renvoyer ton bonheur au futur. Vois que le bonheur que tu as, c'est l'affaire du maintenant. Quelqu'un pensait, et je dis, arrête de renvoyer ton bonheur au futur. Arrête de penser que le meilleur est à venir, simplement. J'entends ça dans les langages de plusieurs personnes. C'est devenu un langage courant. Tu entends ça, tu dis, hey, le meilleur est à venir, bien aimé, le meilleur est à venir. Je ne suis pas contre. Demain, ça sera encore plus excellent, oui, je suis d'accord. Mais n'attends pas demain. Commence déjà à vivre ton bonheur aujourd'hui. Crois-moi, bien-aimé, ce qui renvoie le bonheur au futur ne vivront jamais heureux. Parce que chaque jour, comme je vous ai expliqué quand je parlais sur l'enseignement en disant que ta vie c'est maintenant, chaque jour suffit sa peine et chaque jour a des imprévus. Chaque jour a des circonstances et qu'on ne prévoit pas, a des circonstances qui arrivent accidentellement et qui peuvent nous dire que non, attends encore demain. Et il y aura plusieurs demain et tu attendras demain au point que tu arriverais à la fin de ton existence, tu ne comprendras pas et que tu y as perdu le temps de tes bonheurs. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Que la lumière soit à quelqu'un qui m'écoute et que cela partage aussi cette émission. Écoute-moi. Aujourd'hui, bien-aimé, ça nous reste 15 minutes ou 16 pour arrêter. Bien-aimé, aujourd'hui, je nous ai donné 4 éléments pour être heureux. Je dis premier élément. Je récapitule parce que c'est l'introduction. Je dis premier élément. Supprime la peur. Quand tu vis dans la peur, bien-aimé, tu ne pourras jamais être heureux.
Pourquoi? Celui qui a peur, c'est celui qui veut que les choses s'arrêtent. Celui qui a peur, qui a besoin de quitter quelque chose rapidement. Celui qui a peur et qui fait des choses bien aimées, des fois, sans une bonne structure. Deuxième élément, je dis bien aimé, évite de faire des choses avec précipitation. C'est les conséquences de quelqu'un aussi qui a peur. Qui fait des choses avec précipitation parce que la personne a peur. Comment peux-tu être heureux et avoir peur ou faire des choses avec précipitation? C'est que tu n'es jamais heureux. Évite de faire avec des précipitations, bien aimé, ceux qui se précipitent aux choses arrivent toujours à commettre des erreurs et à commettre des fautes et bien aimé, à faire de mauvais choix dans la vie. Ne fais pas, ne prends pas une décision avec précipitation, ne choisis pas quelque chose avec une précipitation, n'agis pas avec une précipitation, ne parle pas avec une précipitation. C'est dangereux, tu risquerais de ne pas être heureux dans ta vie. Troisième chose que je dis, prends l'Éternel, fais-le comme quoi ton berger. Dans tout ce que tu fais, ne t'engage pas à quelque chose sans pourtant consulter la volonté de Dieu. Ne fais rien s'il n'y a rien d'intérêt de Dieu à l'intérieur. N'agis pas par rapport à tes sentiments ni à tes émotions, ce qui nous empêche à écouter la voix de Dieu. C'est ainsi que je dis ceci. Il faut dans la vie, bien aimé, chercher à être heureux et non à être content. Et pour ne pas chercher à être content, il faut choisir quel type de souffrance voudras-tu avoir pour définir ta destinée. Parce qu'il y a des souffrances qui nous amènent au bonheur et il y a des souffrances qui nous amènent au malheur. Il y a des joies, bien aimé, tout bonheur ne provient pas de la joie. Il y a la plupart des vrais bonheurs, la plupart des vrais bonheurs, bien aimé, ça provient d'une chose qui a été au départ comme une souffrance. C'est ainsi que la Bible dit, celui qui sème avec joie, avec larmes plutôt, moissonnera avec chant d'allégresse. Et vous entendez cela? La Bible certifie cela. Quand on sème, cela veut dire celui qui travaille, celui qui laboure, celui qui sème des choses, celui qui se sacrifie en pleurant, il finit, bien aimé, par manger ses fruits avec joie, à récolter avec chant d'allégresse, à être heureux, à être très heureux dans la vie. C'est comme quand nous allons au travail, bien aimé, nous allons au travail, nous levons le matin, nous avons des courbatures, nous avons des souffrances et nous sommes fatigués, mais on est condamné à se lever. Bien aimé, mais à la fin du mois, on est content quand nous avons notre salaire, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, Kofi. Que Dieu bénisse. Et tout cela. Bien aimé, c'est ainsi, bien aimé. C'est quelle décision que nous devons prendre aujourd'hui? Ces décisions vont définir si demain nous serons heureux et si nous ne serons pas heureux. Alors, quatrième chose, je suis arrivé à dire que non. Celui qui veut être heureux dans sa vie doit éviter de renvoyer son bonheur toujours au futur. De renvoyer son bonheur au futur, de croire que le meilleur est à venir, le meilleur n'est pas aujourd'hui avec lui. Bien aimé, si tu veux être heureux, il faut toujours examiner quelque chose dans ta journée et qui peut te donner la joie. Pensez à cela. Ah, coucou, que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble là? Je bénis tout le monde qui est là, bien aimé. Vous êtes bien avec le coach Papi Koumou. Je suis avec vous, je vous aime tellement beaucoup. Et le but de mes enseignements, bien aimé, nous pousser à bien servir Dieu. Que personne ne vous trompe. Bien aimé, on ne peut pas servir Dieu très bien si nos cœurs ne sont pas en paix. Que personne ne te trompe. Oh, moi, je m'en fous, et même si j'ai rien, même si ma vie comme ça, je sais un jour, toutefois, je fixe mes regards vers Dieu, j'irai au ciel. Ça, ce sont des aventuriers qui disent ça. Ce sont des hypocrites qui veulent paraître devant les gens comme des spirituels. C'est ainsi que Dieu a dit. Pourquoi Dieu a dit quoi? Vous commencerez à voir ça ici jusqu'au ciel pour nous équilibrer. Je vais vous montrer ça même demain encore.
Parce que là, on doit. Je vais lire avec vous Psaume 126, le verset 5, hein, jusqu'au verset 6 tout à l'heure là. Et je vais lire avec vous. Mais la Bible dit que même Pierre demanda à Jésus, nous avons tout quitté, mais nous t'avons suivi. Qui gagneront-nous en retour, Jésus? Jésus n'a pas dit, hé hey, Pierre, qu'est-ce que tu vas gagner ici? Pierre, attends, tu vas aller au ciel, non? Il n'a pas dit cela. Alors si vous voulez entendre, bien-aimé, et pourquoi veux-tu te marier aussi? Pourquoi pleures-tu chaque jour, Seigneur, donne-moi un mari? Mais attends les ciels, attends les mariages que tu feras avec Dieu du coup. Arrête de te faire paraître spirituel pendant que tu ne l'es pas. La vraie spiritualité, bien-aimé, c'est être avec Christ et vivre le bonheur que Christ dépose dans ton cœur, d'abord ici-bas sur la terre et jusqu'au ciel. Christ ne t'a pas mis sur la terre pour être malheureux. Non, être heureux, certains vont penser être heureux, c'est avoir beaucoup d'argent. Non, bien-aimé. Écoutez tout ce que je te dis ici, bien-aimé. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Chacun a tout ce que je donnerai comme élément. Chacun va puiser un élément ou deux ou trois, quatre, même tout. Et pour l'utiliser, en utilisant ces éléments, bien-aimé, tu sauras comment faire pour être heureux. Pour être heureux. Pour être heureux aussi. Bien-aimé, tu as la peur tout le temps. Tu as la peur. Quand tu fais quelque chose, tu es peureux. Tu as la peur. Mais comment tu peux être heureux? Le quatrième élément que je m'installe, mais lisons d'abord Psaume chapitre 126, le verset 5 à 6, comme je vous dis toujours, celui qui veut être heureux doit choisir aujourd'hui quel type de souffrance qu'il aimerait avoir dans sa vie pour définir quoi? Sa vie, pour définir sa vie. Bien-aimés, beaucoup de gens subissent la vie au lieu de vivre leur vie. Pourquoi vous subissez la vie sans la vivre, bien-aimés? C'est parce que vous ne savez pas comment vivre la vie. Mais vous subissez la vie. J'ai expliqué dans mes coachings parce que je vous coach à la fois comme je prêche là, parce que je vous fais profiter. Mais dans les événements de coaching, il ne faut pas rater, il faut être là. Parce que là, l'année finie, mais l'année prochaine, nous en aurons même deux événements ou trois. Parce que cette année, on avait seulement un événement de coaching, mais l'année prochaine, nous en aurons deux ou trois. Et c'est là. Mais écoutez, je dis, pourquoi veux-tu subir la vie que de vivre la vie? Ta vie. Tu subis la vie sans vivre ta vie. Pourquoi tu subis? Mais tu n'as pas été fait pour subir ce qui se passe à la vie. Oh, la vie va comme elle va. Quelqu'un dit cela. Mais du moment où toi tu dis la vie va comme elle va, mais il y a des gens et qui disent, oh, la bonne vie. Il y a des gens qui disent ça. Mais ces gens ne sont que des hommes comme nous. Mais comment ces gens arrivent à savourer la vie? Lisons d'abord. La Bible dit, ceux qui s'aiment avec l'âme, comme je vous disais tout à l'heure, mais je vous lis comme l'évangile de la précision, lire avec vous, ça nous reste simplement cette minute-là. Ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec des cris de triomphe. Vous entendez? Ceux qui s'aiment avec l'âme, c'est que ceux qui travaillent avec souffrance, ceux qui souffrent aujourd'hui, finissent par moissonner avec quoi? Chant de triomphe. Un cri de triomphe. Un chant d'allégresse. C'est qu'il y a des souffrances qui aboutissent à un état d'une personne très heureuse. Et il continue au verset, il dit, celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence, à répandre, ça revient avec un cri de triomphe quand il porte quoi? Des germes. Bien-aimé, si tu évites de souffrir aujourd'hui, tu vas souffrir demain. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Définis ton bonheur aujourd'hui que de le définir demain. Parce que beaucoup définissent leur bonheur demain. Mais je suis venu vous dire, bien-aimé, définis ton bonheur aujourd'hui et vis ton bonheur aujourd'hui. Tu peux être heureux aujourd'hui. Ne dis pas que le meilleur est à venir. Le meilleur est chaque jour avec toi. Parce que quand tu dis est à venir, quand tu arriveras demain et que tu vivras les circonstances de demain, tu diras encore que le meilleur est à venir. Combien de fois tu as utilisé cette phrase et bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore accédé dans ton meilleur. J'ai dit quatrième élément, pour être heureux, évite de renvoyer au futur ton bonheur, ni de penser que le meilleur est à venir, mais pense que non, le meilleur est chaque jour que l'Éternel me donne. Et la joie. Je dois être heureux à chaque fois que je respire, à chaque fois que j'en ai la possibilité, je dois savourer et je dois profiter à ce moment-là. Alors, je finis aujourd'hui avec cela.
Alors, bien aimé, je nous récapitule les quatre éléments et on va clôturer. Parce que je veux que ça soit gravé à nous. Demain, on va rajouter des éléments et demain, on va avancer encore. Premier élément, je dis ceci, dans notre introduction. Je dis pour être heureux. Heureux, bien aimé, c'est un état de paisibilité. C'est quelqu'un qui se sent stabilisé, qui est stable moralement, ça veut dire quoi? Psychologiquement, spirituellement, mentalement, physiquement, sanitairement, financièrement, beaucoup d'autres choses et tout cela. Alors je nous amène. Je dis première chose de la vie, pour être heureux, évite, supprime d'abord la peur. Quand on a la peur, bien-aimé, on devient instable et on n'a plus l'équilibre. On n'agit pas avec quoi? Les facultés intellectuelles, ni avec sagesse. On fait des choses, bien-aimé, avec un déséquilibre quoi? Total. Ce qui nous vole quoi? La paix du cœur. Et ce manque de paix enlève le bonheur à nous. Et nous ne serons jamais heureux. Résiste contre la peur. J'ai la peur que mon mari, quand il rentre tard, j'ai la peur qu'il me trompe. Bien aimé, je ne serai jamais heureux dans ce couple parce que je vis dans la peur. J'ai peur que ma femme fasse ceci. Je ne vivrai pas bien parce que je suis dans la peur. J'ai peur de vivre avec de telles personnes autour de moi. Ils peuvent me faire du mal. C'est que je ne pourrai pas être heureux parce que je suis dans un état de peur. Alors, je dis, ceux qui ont plus peur, c'est ceux qui désirent toujours la fin d'une chose. Quelqu'un comprend ce que j'avais dit. J'ai dit, bien aimé, note-moi cette phrase. Je veux que quelqu'un note cela. Ceux qui ont peur, ce sont des personnes qui désirent toujours la fin d'une chose. Ceux qui sont heureux désirent la continuité de la chose et veulent toujours que la chose continue, subsiste et avance. Qu'est-ce qu'on pense là? Je répète pour toi. C'est là que tu rencontres dans la vie qui disent, ah, qui est la fin du monde, que Jésus revienne. Si vous vérifiez bien, ce sont des gens qui ont perdu ou quelque chose. Ce sont des gens et qui n'ont jamais reçu, gagné quelque chose qu'ils ont toujours désiré et qui ont échoué dans la vie et qui ont peur d'exister et peur de ne pas réussir, peur de ne pas avoir, peur de ne pas avoir quelque chose. Alors, je vous ai même donné une illustration par rapport au match de foot. Tu fais partie d'une équipe et ça vous reste simplement 2 minutes. Et vous venez de marquer un but parce que si les autres marquent, vous gagnent. Bien aimé, en tout cas, vous allez désirer que le match finisse rapidement pour ne pas encaisser encore un but. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont peur désirent la fin d'une chose. Mais ceux qui n'ont pas peur aiment toujours la continuité. Ce sont des gens qui sont heureux. Comment être heureux, désirer que cette chose finisse? Non. Celui qui est heureux veut que la chose continue. Mais celui qui a peur et qui n'est pas heureux, c'est celui-là qui veut la fin d'une chose. Ils finissent leur vie. Ils se suicident souvent dans la vie, les gens qui n'ont jamais été heureux dans la vie. Bien-aimé, veux-tu faire le suicide dans ta vie? Ah, oublie simplement le bonheur dans ta vie. Ne cherche pas à être heureux. Et tu verras, bien-aimé, tu vas faire clôturer ton existence sur la terre. Deuxième chose, je dis quoi? Arrête de mener une vie de précipitation. Ils se sont précipités. Et ils regrettent aujourd'hui. Tout ce qu'on fait avec précipitation, on le fait sans raison. On le fait sans bien réfléchir. Et à la fin des comptes, de telles choses n'enfantent pas de bons résultats. Arrête, bien-aimé, d'agir avec précipitation. On est souvent insensé, on est souvent sans réfléchir lorsqu'on agit avec des réactions épidermiques. Troisième chose, je dis quoi? Cherche toujours à faire de l'éternel Jésus ton berger. Car la Bible dit, si lui il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Retiens cela et mets ça dans ta tête. Tu ne manqueras de rien du moment où l'Éternel est ton berger. Mais si l'Éternel n'est pas ton berger, crois-moi bien-aimé, tu ne seras pas bien-aimé quoi heureux. Parce que tu prendras des décisions par rapport à tes émotions, à tes sentiments, aux choses qui te plaisent. Et arrête de faire des choses qui te plaisent. Car ce qui nous plaise, nous rend contents, mais nous empêche à être heureux souvent. C'est ainsi que la Bible dit quoi? La Bible dit, celui qui sème avec larmes, c'est celui-là qui moissonne avec son allégresse.
Bien-aimé, évite beaucoup de choses, sur 100% des choses qui nous plaisent, bien-aimé, cela supprime notre état de bonheur. Parce que j'ai été content de faire ce qui me plaît, par ce qui me plaît, me rend content, je me suis senti bien, mais je ne me sentirai pas heureux. J'ai été content, mais je n'ai pas été heureux après. Alors, et dernière chose, j'ai dit quoi? Arrête de renvoyer ton bonheur au futur. Crois que tu peux faire mieux et vivre le meilleur aujourd'hui. Il y a des possibilités à être heureux chaque jour que l'Éternel quoi te donne. Suivez cette émission et suis cet enseignement avec beaucoup d'éléments que je nous donnerai. Je crois bien, tu trouveras un élément qui va te redonner, bien-aimé, ce bonheur que je te prêche pour que tu sois heureux. Que le Seigneur bénisse tout celui qui a participé. N'oubliez pas, ce dimanche, nous avons un grand culte des guérisons, des délivrances à l'église France pour Christ d'Orléans et à l'église France pour Christ de Boussy. À l'église France pour Christ d'Orléans et de Boussy. Mais je vais voir parce que comment on va faire, parce que si je prends beaucoup de temps Orléans, ça pourrait m'empêcher. Ou sinon, on va faire où Orléans, ça sera prochainement, ou on le fait le même, on verra comment Dieu va nous faire. Orléans, c'est 9 rue du Troussé, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Boussy, c'est... je pense numéro 1. Numéro 1, rue Marcel Pagnol, parce que j'oublie souvent, à l'hôtel 15. Bien-aimé, n'oubliez pas d'être avec nous. C'est, Boussy, c'est à 15h à 18h. Orléans, c'est 11h à 14h30. Et nous avons aussi l'église de Rony. Rony, c'était le dimanche dernier. Waouh! Le Seigneur était avec nous. Le Seigneur vraiment s'est manifesté pour les délivrances et les guérisons. Alors restez connectés, branchés et poursuivre cet enseignement et la prière plutôt de, au milieu de la nuit avec la servante de Dieu, pasteur Lydie Koumou. Priez beaucoup, bien-aimés, pour être heureux. N'oubliez pas, supprime la peur. Quoi? Évite une vie de précipitation. Mettre Jésus comme ton berger dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Et arrête de renvoyer ton bonheur au futur. Ne crois pas que le meilleur est à venir toujours, mais le meilleur peut commencer ici avec toi. Au nom de Jésus, amen. Bye, à demain.